Qu'est-ce qui vous fait rire ? C'est fini.
Rien n'est fini. Jusqu'à la mort. Venez, les enfants, allez, dépêchez-vous, vite, allez, vous allez obéir, oui. Paye des tempêtes, toi. Une pierre. Rien n'est fini jusqu'à la mort. Bonsoir, Johnny. Ah, il fait froid, laissez pas la porte ouverte. C'est Johnny. Tu me payes un autre. Il est revenu. Je vous dirais que la chance ne peut pas sourire. Oh. Très bien, moi, si je trouve du travail, Johnny. Je suis peut-être mort. Non, non, tu n'es qu'à moitié mort. Qu'est-ce que tu serres si fort dans ta main? Ouf! C'est une pierre que j'ai trouvée. Non, Johnny. C'est elle qui t'a trouvé. Ton nom y est marqué. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ça va, soif? Cette pierre, c'est ton destin. Mais tu devras payer. Tout le monde doit payer. L'or sent plus fort que la femme.
soir, j'ai pris un bain. Peut-être à cause de toi. Ça fait si longtemps qu'il est parti. Jack. Monte, Jack. Nous n'avons jamais trouvé d'or, mais quelque chose nous rapprochait. Ce qui nous rapprochait avait tout autant de valeur que l'or. Mon Jack avait toutes les réserves d'or dont on avait besoin entre les jambes. Tu t'intéresses parfois aux sentiments. Pour toi, il n'y a que l'or qui compte. Tu n'y renonceras jamais. Nous avions une mine intarissable entre nous. Sa queue et mon sexe. Une vraie mine d'or. Plus qu'un grand amour, c'était la toute-puissance. En amour, Jack était un alchimiste. Nos sens étaient toujours en feu. Et un matin, je me réveille, le soleil brillait. C'était le printemps et Jack était mort. Mort à côté de moi. T'es mort en dormant. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à sentir mauvais. Tu as eu une belle vie. La tienne le sera aussi. Moi, je passerai le reste de ma vie à essayer de tuer le temps. Et son parfum de Paris. Paris et le carrosse d'or. Un jour, tu trouveras ce que tu cherches. Mais après... le voir. C'est de l'or. Il coule comme la rivière qui se jette sur la rive du lac. Il est là, sous l'eau. Tu as compris ce que ça voulait dire? Oui. Que la chance a tourné. La chance, c'est pour les hommes ordinaires, pas pour toi. Quand tu as pris la pierre, tu as choisi ton destin. Tu es seul maintenant.
Ha ha ha.
Frida! 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 Frida, je l'ai trouvée! Frida! Un mystère. La fin et le commencement. Non. Il en viendra un autre après toi. Après la guerre. Les grands événements. Des jours étonnants. Pas rien qu'étonnant, mais fascinant. Cette voiture ne vaut rien. J'aurais pu vivre 10 ans avec l'argent que cette voiture a coûté. En ce temps-là, tout était tellement plus difficile. Tu arrivais à trouver des filles? Je crois que je m'en passais. J'en connais qui n'auraient pas pu le faire. Et supposons qu'à cette époque j'ai été là. Est-ce que tu m'aurais accordé un regard? Non. Ma Tracy, chérie. Je n'aurais jamais pu détacher mon regard de toi. Parle-moi encore de ton or. J'adore les histoires. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est lui qui te l'a donné. Moi aussi, je peux avoir envie de boire. C'est pas un garçon pour toi. Tu crois que je suis jaloux? Non, je suis pas jaloux. Il ne t'appréciera jamais à ta juste valeur. Mais quelle importance ça peut avoir? Je ne suis pas une œuvre d'art comme une porcelaine de Chine. Je le veux. Tu en es sûre? Je voulais te remercier pour Paris. Je l'avais pas encore fait. Je crois que je trouve naturel d'être gâtée. Ce voyage a été merveilleux. Ce mariage. Hélène, ne bois pas autant, tu veux? J'avais l'impression que je deviens aveugle.
Comment il se débrouille? Je gagnerai. Je gagne toujours. Je t'ai gagné toi aussi, non? Oui, mon chéri. Gagné, conquise. Tracy, Tracy. Mais non, je ne deviens pas. Il faut t'avouer que ton gendre s'est barré un voilier. Jack, j'ai seulement besoin de nouvelles lunettes. Tu es d'une humeur de chien aujourd'hui. Tu viens de dire une sottise, Jack. Si Tracy est ta fille, c'est la mienne aussi. Ton gendre n'a pas cherché à séduire Tracy McCann parce qu'elle est ta fille. Non, mais tu crois au tarot. Je porte peut-être malheur. Oui, peut-être. Et alors, quelle importance si je gagne? Alors, as-tu eu le temps de penser à notre affaire de Lunabelle? Notre affaire? À nous? Toi et moi? Nous? Lunabelle est à moi, Charlie. C'est une partie de moi. De moi aussi. Je suis ton ami, pas uniquement ton associé. Tout ce que je fais, c'est uniquement pour toi. Et tout le monde le dit ou le croit. J'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent dire ou croire. Bon, écoute, voilà, j'ai pensé à une chose. Il y a peut-être un moyen de posséder Mayakovsky. Il suffirait de... Je n'ai jamais possédé quelqu'un de ma vie, Charlie. Je n'ai jamais trompé un homme. Rien que les femmes. Hélène, ne bois pas autant. Bon, te fâche pas. Bon, alors moi, il faut que j'aille à Miami pour voir Mayakovsky. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Comment s'appelait cet opticien à Miami? Tu te souviens, toi? Tu trouveras bien quelque chose, tu trouves toujours. Il a raison. Comme toujours. Prenez un verre. Non, je suis à jeun et j'ai une faim de loup. Ah, cette fois, je te donne raison. Tu es un loup, tu veux tout dévorer. Essaie de comprendre. Tu veux? Cette île m'appartient. Cette affaire de Lunabelle, mais j'en ai rien à foutre, moi. J'ai pas envie de faire des affaires, d'avoir un ulcère. À quoi ça sert? C'est de la merde, tout ça. Peut-être que tu devrais dire à ton juif de Miami que Jack McCann ne veut pas être dans le coup. Pas 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 dans le coup. Il faut que je téléphone. Bonne chance. Il n'y a jamais un flocon de neige ici. Excusez-moi, madame, la cartomancienne est là. Une menteuse doublée d'une négresse. Quand on a déjà fait fortune, on ne se fait pas dire la bonne fortune. Si seulement ton père pouvait te voir aujourd'hui. L'homme le plus riche du monde. Rusé, comme un renard, portant une robe et de la merde de perroquet sur l'épaule. Peut-être que cette voyante pourra me dire ce qui va t'arriver. C'était si merveilleux. Nous deux, avant. Oh, il y a de ça des années. Nous étions amoureux sur ce yacht. On a vraiment été heureux tous les deux. On resplendissait de bonheur. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De nombreux vaisseaux de guerre auraient été endommagés et même mis... Buongiorno, Aurelio. Où en est la guerre? Laquelle, monsieur Mayakovsky? Celle d'Europe ou celle du Pacifique? Ben la nôtre, voyons, la nôtre. Retarder sa progression. Charles Perkins a appelé. Toute notre flotte qui est en
Il semblait nerveux. Hein, nerveux? On est tous nerveux. Nous vivons des temps troublés. Il voudrait venir vous voir. McCann dit faire sa décision. Du retard, toujours du retard. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce type, en réalité? Nous, on parle affaires, il le comprend, ça. J'ai des associés, j'ai des amis. Lui, il vit sur son île, mais nous, on vit sur le continent. C'est quelqu'un d'étrange. Quand il a trouvé l'or, il a décidé... Oh, je vous en prie, je vous en prie. En réalité, il n'a rien d'étrange. Ce n'est qu'un homme, c'est tout. Un homme s'est toujours fait de passion, de désir. Trouvez-le, vous saurez qui vous avez en face de vous. C'est très simple, en réalité. Il personnage al cerco, dottore. Votre italien est meilleur que mon yiddish. Et regardez sa photo. C'est quelqu'un d'heureux. Non, trouvez-moi une photo récente. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Trouvez quelles sont ses passions et ses désirs. Et nous mènerons à bien cette affaire de Luna Beige. Mais faites vite. Faites vite. Ah, voilà ma fille. Esther, je te présente Aurélien. Enchanté, Esther. Je vous en prie, servez-vous. Ah. Cette pierre m'a toujours beaucoup intrigué. C'est un vestige du passé, tout comme moi. Vous êtes un personnage très mystérieux. Moi? Non, non. Je suis un livre ouvert. Quand je me coupe, je saigne, comme tout le monde. Oui. Pearl! Prends ça, tu veux? Pourquoi m'avez-vous fait venir? Je pensais que vous auriez besoin d'aide pour vous installer. Non, non merci. Et je ne suis pas quelqu'un de dépensier. Quoique j'ai quand même une extravagance. Tracy? Non, mon yacht. Vous savez, je veux surtout ne rien vous devoir. J'espère que vous le comprenez. Vous semblez assez bien vous entendre avec les autochtones. Oui. C'est vrai. Ce sont les Blancs qui ne m'aiment pas. Oh, Claude! Je ne vous ai pas offensé, au moins. Non. Vous savez sans doute qu'il est plus difficile de recevoir que de donner. Bonjour. Claude allait se retirer. Ah, est-ce que par hasard l'un de vous aurait vu mes lunettes? Je les ai encore perdues. Je les ai trouvées dans la salle à manger. Oh, comme c'est gentil, je vous remercie. La salle à manger. En vous attendant. Oh, il se fait toujours attendre. Enchanté. Hein? Il m'est impossible de lui faire de telles menaces. Mais dans la vie, il y a beaucoup de choses déplaisantes qu'on est obligé de faire. C'est une question d'honneur, monsieur Mayakovsky. Je suis américain. Et alors, mais qui n'est pas américain? Tout le monde est américain aujourd'hui. Les Allemands sont américains. À Chicago, il y a beaucoup d'Allemands. Tenez, venez avec moi. Les Japonais, ça vous pouvez me croire, eux aussi, ils sont américains un jour. Les langues, voilà où est la différence. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre entre Américains qui parlent des langues différentes. Alors, comment peut-on la perdre? Monsieur McCann est américain. Il sait qu'on est tous du même côté. Allez, retournez le voir. Arrangez-vous pour qu'il rencontre mon associé, M. D'Amato. Attention, regarde. Vous considérez que tout ça est un problème. Mais ce n'est pas un problème. Dites-vous que c'est une occasion à saisir. Ciao! Non, non. Vous croyez que M. Perkins aurait commis l'erreur de dire à la McCann qu'on a l'intention de construire un casino à Luna Bay? Je crois que M. Perkins a quelque chose qui l'inquiète, mais je ne sais pas quoi. C'est un ami intime de McCann.
c'était bon pour nous. Ça pourrait aussi être très mauvais pour tout le monde. Jack McCann commence à me rappeler Lucky, mais moi, j'aime pas ça. Je croyais en avoir fini avec les Lucky, et voilà un autre qui arrive. Jack risque de bientôt tomber malade. Je t'en prie, arrête. Je ne crois pas un instant à tes présages stupides. Tes présages sont des nombres. Ce ne sont que des nombres. Des secondes, des heures, des jours, des années. Tu comprends, non? Tu es bonne en maths. Alors, cette robe te va comme un gant. N'essaie pas de me faire peur. Tu peux faire ce que tu veux avec mon corps. Je m'en fiche. J'aime tout ce que tu lui fais. Mais s'il te plaît, laisse mon esprit tranquille. Occupe-toi seulement de mon corps. Tracy. Tu es une telle enfant. Ce n'est pas ce que tu veux que je sois. À quoi penses-tu? À ces tests que j'ai fait l'année dernière à Miami. Ils concluaient à la stérilité. C'est ce que va être notre couple. Il sera stérile. Je n'ai pas besoin d'un enfant pour t'aimer. Je veux que notre bonheur soit complet. Il est complet. Maintenant. Parfait. Attendez. 100 036. La vérifier, vous verrez. Tout à fait exact. Il est très fort, mon cher époux, n'est-ce pas? Oh, beaucoup moins fort que ma fille. Essayez avec elle, vous verrez. Oh non. Peu importe la difficulté, il y arrivera. Hein? Eh bien, disons que nous gardons les 100 036 et que nous les divisons par, voyons, 178. C'est juste? Incroyable. C'est un don. Je suis sûr que ce n'est pas votre seul talent, mademoiselle McCann. De quoi vous occupez-vous? Enfin, je veux dire, ici-bas. Monsieur D'Amato est un homme d'affaires. C'est-à-dire? Je suis avocat. Dans l'immobilier? Avocat, avez-vous dit? Le monde des affaires, des loups qui se mangent entre eux, des pirates qui volent d'autres pirates. C'est magnifique ce que vous avez là. Oui. C'est stupide d'avoir fait faire une salière en or.
Stupide, mon cul. Les alchimistes faisaient de l'or avec le sel. Ah non, Jack, ça porte malheur. Jette-en une pincée par-dessus ton épaule. Je ne crois ni à la chance, ni à la malchance. Mais tout le monde croit en l'or. Même une alliance est faite avec de l'or. Non, n'y touche pas. Où est mon collier? Oh, je l'ai oublié. Elle a pensé qu'il manquait de discrétion. Qu'il manquait de discrétion? Vous trouvez que votre chemise est discrète? Cela représente les enseignements de la Kabbale. Mais juif? La recherche de la sagesse est universelle, Jack. Il y a 5 éléments. Le premier est le silence. Le second, savoir écouter. Le troisième est la mémoire. Et le quatrième, la pratique. Le cinquième est l'enseignement. Et le sixième, de la merde. Il n'y a qu'une seule règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Le reste, c'est de la mauvaise littérature. Vous n'avez pas gagné votre or, Jack. Vous l'avez volé à la nature. Vous l'avez volé à la terre. Je l'ai trouvé. Vous l'avez volé. Vous gagnez votre vie en faisant de l'élevage de poules? S'il vous plaît, arrêtez. En réalité, s'il dit ça, c'est pour essayer de m'énerver. Très si au pays des merveilles. Le chapitre du thé avec le chapelier fou. Tout à fait ça. Ce n'est pas du chocolat dedans. Vous ne pouvez pas enlever le papier, monsieur D'Amato. C'est de l'or. Jack aime offrir de l'or à la fin du repas. Twiddle-dee, twiddle-dame. Il y a des choses dures à avaler. Qu'est-ce que vous faites? Sortez de cette maison! Ce n'est que de l'or, voyons. Dès que j'aurai restitué cet objet en or, je vous le renverrai immédiatement. Tracy, dis-lui de partir et vite! Je ne peux plus le voir! Ça suffit! Arrêtez! Oh. Dans quel coin êtes-vous, Charlie? Allez-vous-en et vite! Tracy, tu ne peux pas t'en aller comme ça! Ne te mets pas dans des états pareils. Je ne serai tranquille que quand ce type sera mort. Comment ça va, Charlie? Ça va, Jack. Jack, je suis content de te voir. J'ai de graves ennuis. Mm-hmm. Charlie. Qu'est-ce que tu allais faire comme bêtise? Je porte ce revolver parce que ça fait 2 nuits qu'à la maison, j'entends des bruits curieux. Quelqu'un veut entrer par effraction. Ouais, Charlie. Tu as peur que quelqu'un entre de force chez toi. Et moi, j'ai peur que quelqu'un entre de force dans ma vie. Mais toi et moi, on est associés. Vendons l'une à Baie, c'est notre seule chance. Ah. Bon, je vais te dire 2 choses. D'abord, je ne crois pas à la chance. Et ensuite, je n'ai pas d'associé. Ça fait longtemps qu'on est plus. Tu comprends pas que Mayakovsky est dangereux, mais comment je pourrais te faire comprendre que cet homme est dangereux? Dis-moi, quel est l'homme le plus dangereux que je connaisse? Toi, Charlie? Non. C'est moi, Charlie. L'homme le plus dangereux que je connaisse, c'est moi. En attendant, si tu as peur, viens habiter à Eureka. Hélène va à Rhode Island et y emmène nos enfants. Merci de ton invitation, j'accepte. En réalité, je voudrais... Charlie, il y a quelque chose que tu n'oses pas dire.
Oh, je sais que c'est pas facile d'être intermédiaire. Tu n'as pas d'ennui d'argent. Bon. Ne me reparle plus jamais de cette affaire. Ah, Charlie. Je t'emmerde, tu entends, je t'emmerde, sale égoïste. Je suis très en colère contre Perkins. Je crois qu'il n'a pas confiance en moi. C'est très mal de ne pas avoir confiance. Est-ce que vous vous confessez? Chaque semaine. Il peut y avoir d'intermédiaire entre Dieu et nous. Perkins et McCann n'ont pas la foi. Ils ne croient en rien. McCann semble croire en lui-même. Il ne croit en rien, c'est bien ce que je disais. Il m'exaspère, ce gros. Comment venez-vous faire une affaire avec un type qui ne croit en rien? Ce n'est pas un homme d'affaires. Il ne reste plus qu'à trouver un autre moyen. Il faut qu'il vende, parce que je suis obligé d'acheter. Il faut qu'il signe, parce qu'on doit construire ce qui est prévu. Il a creusé pour faire fortune. On ne le laissera pas se mettre en travers de la route d'hommes qui veulent bâtir leur fortune. Jean McCann est un dinosaure. Tout le monde sait ce qui est arrivé au dinosaure. Lui a déjà vécu trop longtemps. C'est regrettable, mais il faut augmenter la pression. Quand ? Vaut mieux ne pas attendre. Je te remercie de me laisser dormir avec toi cette nuit. Ça me rappelle les premiers jours que nous avons passés ensemble sur le bateau. Je suppose que tu trouves ça sentimental. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai l'impression d'être assiégé par tout le monde et qu'on m'en veut. Si seulement les gens te détestaient, moi. C'est pas moi qu'ils détestent, c'est ce que je représente. Je suis celui qui savait ce qu'il voulait, qui l'a cherché, qui l'a trouvé. C'est difficile à admettre. Mais il y a si longtemps que ça s'est passé. Tu es un autre homme maintenant. Oui. Je voudrais tellement t'aider. Pourquoi tu ne veux pas? Personne ne le veut. Tu as une idée de ce qu'est l'éternité? C'est un mélange d'ombre et de lumière. C'est comme un désert de neige la nuit. Aujourd'hui, j'ai atteint les rives de l'éternité. Et par-delà l'éternité, il n'y a plus rien. Plus rien.
Il était une fois un homme appelé Jack McCann, et c'était moi. J'ignore encore combien de temps je vais tenir. Je suis en plein milieu de ma seconde guerre mondiale et je n'entends toujours rien. L'autre jour, tu m'as dit que j'étais absolument incapable de voir. Tu avais 100 fois raison. Je n'entends rien, je ne vois rien, je suis paralysé. Fut un temps où j'avais tout. Aujourd'hui, je n'ai plus que l'éternité. Bonjour, Pierre. Je vais voir Claude. Oh, mais c'est l'ami Pierre. Ça va? Il faut que tu lises cette lettre, Claude. Puis-je vous demander de vous en aller, s'il vous plaît? Je veux que... Non, Tracy, que tout le monde s'en aille. Tout de suite. Calme-toi, Claude. Calme-toi, ça ne doit pas être si grave que ça. Chérie, non! Non, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? J'aurais dû rester en France, rester près d'elle. J'aurais jamais dû partir. Elle a dû avoir besoin de moi. J'aurais dû la protéger, la soigner. C'est trop tard maintenant. C'est toi. Quand j'étais petit, je m'enfuyais tout le temps de l'école. Elle m'y ramenait. Elle ne me grondait jamais. Elle savait que tout ce que je voulais, c'était être libre. Vivre libre. Alors, j'ai décidé de fuir ma mère. J'ai décidé de fuir la France. J'ai décidé de fuir la guerre. J'ai toujours été lâche. Dans la dernière lettre qu'elle m'a écrite, elle disait « Le jour où autant n'emporte le vent sortira à Paris, la guerre sera finie et nous aurons gagné. »
Quelquefois, je me demande si j'étais prête à te rencontrer. Il y a tellement de choses en toi. Et si peu en moi. Tu comprends? Je suis si simple. Tellement peur pour nous. Chère maman, cher papa, c'est une lettre encore plus difficile à écrire que celle que je vous écrivais pendant le week-end à l'école. Quelque chose est arrivé à Claude ce soir. Ça ne vous concerne pas, mais ça m'a fait réfléchir à ma vie avec vous deux. Je sais que vous n'accepterez jamais Claude comme membre de la famille. Je ne peux pas vous en vouloir, puisqu'il n'est pas de votre sang. Mais il est devenu le centre de ma vie. Et c'est maintenant le même sang qui coule dans nos veines. Je ne peux pas supporter l'amertume, la rancœur et la souffrance qui vous entourent. Je ne peux pas supporter l'amertume, la rancœur et la souffrance qui vous entourent. Surtout parce que je sais que la vie que vous menez est vide. Maintenant que j'ai découvert ce que signifie le mot « vivre ». Je vous aime toujours, mais j'aime Claude encore plus que moi-même. Ses besoins sont les miens. Il a besoin de moi comme j'ai besoin de lui. Je ne pourrai plus vivre sans lui. Je ne me laisserai pas influencer, même si vous montrez une hostilité inflexible à notre égard. Je ne veux pas qu'il y ait de combat entre nous. Je veux que nous vivions de façon pacifique. Mais si c'est impossible, je trouverai la paix dans mon cœur avec Claude. Mère, je pense ce que je dis. Je vais venir te voir à Rhode Island, votre fille qui vous aime. Tracy. La voiture est avancée, madame. Ah. Pourquoi a-t-elle écrit ça? Je pensais qu'elle avait compris. Elle a compris. Et moi aussi. Viens dans ma chambre. Quoi? Jack, tu es sérieux? Eh oui, tu as l'air sérieux. Rappelle-toi toujours que je t'aime. Bon voyage, madame. Au revoir.
Qu'est-ce que vous venez faire? Est-ce que tu essaies de me tuer? Je vous prie de sortir. Qu'est-ce que vous me voulez? D'abord, j'ai cru que c'était mon argent. Ensuite, que c'était ma fille. C'est la chair de ma chair. L'or n'a aucune importance. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Tout ce que je t'ai donné, il te l'a pris. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Mais la vérité, c'est que c'est moi que vous voulez. Vous voulez mon âme. Arrête. Tu es dans ma chambre. Rien n'est à toi. Regarde-toi dans la glace, regarde-toi. Tu n'as que 20 ans. Tu es pourri, ruiné, dépravé. Ne me touche pas. Non, non, arrêtez. Arrêtez, vous cherchez à vous tuer. Oui, je veux le tuer. Lâche. Arrête. Allez, vas-y, tue-moi si tu as des couilles. Arrêtez. Tu vas me lâcher, oui. Je vous tuerai si vous m'y obligez. Lâche-moi, je te dis. La ferme. C'est juste un peu de sang. Dehors. Non. Non. Papa. Non. Pourquoi tu lui as fait écrire cette lettre? Pourquoi tu lui as fait écrire cette lettre? Pourquoi tu lui as fait écrire cette lettre? Quelle lettre? Arrête. Dieu m'est témoin que je n'ai jamais gagné un dollar sur le dos d'un autre. Non. Tu vas répéter ce que j'ai dit. Jack McCann n'a jamais gagné un dollar sur le dos d'un autre. Tuez-moi. Dis-le plus fort pour que le Seigneur t'entende. Sortez de ma vie. Claude. Reviens avec moi. Non, je reste. Je dois rester, tu le vois, non? Reviens avec moi. Je ne veux pas de ton or. Je veux sentir sa peau. Je veux toucher sa chair. Je veux embrasser. Je veux sentir. Je veux lécher. Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un? Tout aimé de quelqu'un. J'aime tout de lui, j'aime tout. C'est un sentiment plus fort que moi. Je ne peux pas m'éloigner de lui, ni la nuit, ni le jour. Il n'est pas trop tard. Si, c'est trop tard! Je ne pourrai plus vivre sans lui! Oh, qu'est-ce que je lui fais? Il faut que j'aille le chercher. Attends, attends. Oh. Le triangle est brisé. Mm-hmm.
Claude! Claude, j'ai eu peur. Pourquoi? J'ai cru entendre quelqu'un tomber par-dessus bord. Tu ne risques rien avec moi. Et la journée d'hier, la nuit dernière, tu m'as donné les heures les plus belles de toute ma vie. Nous ne vivrons plus de telles journées, de telles nuits, plus jamais. Je n'ai jamais été aussi heureuse et aussi misérable. On dirait que le vent va se lever. Est-ce que tu voulais tuer Jack? Et toi? Lui voulait me tuer. Je vais te faire une promesse. Ça n'arrivera plus jamais. À partir de maintenant, c'est la guerre. Je vais chercher des enveloppes. Non, ce n'est pas la peine. Vous cassez pas la tête. Donnez-leur comme ça. Bon, allez au travail. Bonjour, maman. Ne vois pas autant. Tu nous as fait beaucoup de mal. Cette lettre, après avoir dit que tu voulais venir nous voir, tes frères et moi, tu nous as fait souffrir. J'ai seulement été franche. Mon mari est un homme merveilleux. Je enlève-moi mes bottes, tu veux. S'il y a quelqu'un de merveilleux, c'est ton père. Je vais l'aider à redevenir ce qu'il était avant. Claude, lui, n'est pas merveilleux. Il est séduisant. Son charme attire les femmes. Beaucoup de femmes. C'est évident. Je t'en prie, maman. Je n'ai pas eu de nouvelles de ton père depuis qu'on est là. Tu veux le tuer? Pourquoi as-tu écrit cette lettre? Dans quel but? Pourquoi? À cause de ta soi-disant passion? Si tu crois que ça va durer, ça ne dure jamais. C'est peut-être à cause de la guerre. Puis tant pis. On nous attend. Vous prenez le frais? Oui, mon commandant. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. Je crois que vous connaissez Claude Van Horn. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? On y va. Oui, tu peux y aller. En route. Jack, où sont les domestiques? Je leur ai donné la nuit. Et pourquoi? C'est pour moi. Allô? Madame Mayo Van Horn? Votre numéro à Luna Bay ne répond pas. Essayez encore d'appeler, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Mais tu peux pas partir maintenant? Où est ton revolver? C'est utile une arme pour descendre quelqu'un. Lâche-moi! Jack! Tu veux pas me laisser? Tu peux pas faire ça? Il va envoyer ses tueurs! Attendez! Vite.
Rien de grave? Un ennui avec l'air conditionné. Non, rien de grave. Laissez-moi. Je vous en prie. Cherchez quelqu'un, monsieur McCann? Ils sont tous partis. À une nuit pareille, c'est pas bon pour les affaires. S'arranger si tu leur parles. Je suis d'accord, on y va. Conduis-moi jusqu'à eux. Ça pue le parfum. T'étais avec une femme dans cette voiture? L'or sent plus fort que la femme.
Vous avez passé la soirée chez moi. C'était un dîner aux chandelles. On a bu du vin, on a parlé de tout et de rien. Une merveilleuse soirée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alors c'est entendu. Oh. Rendez-moi mon mouchoir. Bonsoir. Rentrez bien. Un de ces jours. Je suis content que tu aies décidé d'en finir. J'attendais l'occasion, Charlie. Depuis longtemps. Mm-hmm. Très, très longtemps. Ne sont pas leur poste. Bon, alors moi, qu'est-ce que je fais? Non, restez là. Je vous dis de rester là. Alors, c'est vous qui commandez. Ça va? Écoutez, ce que vous avez vu ce soir, c'est interdit, défendu. Alors vous n'en soufflerez pas un mot à qui que ce soit. Jamais. T'as compris? Vous oubliez vos sacs. Oh, merci. Bonne nuit. Je suis heureux que vous soyez venu, monsieur. Il ne manque que votre signature sur ces documents. Nom de Dieu, j'ai oublié de prendre mon stylo. Je vous supplie d'entendre raison, monsieur McCann. Appelez-moi Jack. J'entends raison. Je vois beaucoup de bonnes raisons pour ça. Pas toutes très raisonnables. Et monsieur, je vous aurais prévenu. Vous avez une chaîne comme ça avant. Tu veux pas la vendre? Tes amis semblent être un peu énervés, là. Tu sais où est le problème avec un meurtre? Tu es marqué jusqu'à la fin de tes jours. On aurait dû dire ça au Jats. Oui, t'as raison, il nous aurait pas fait tous ces ennuis. Fais pas l'idiot, s'il te plaît. Tu tiens à ce que je parle à tes amis, les jeunes loups? Ils chassent en meute. Allez dire au chef de votre meute, Seigneur D'Amato, qu'on ne traite pas avec Jack McCann. Regarde-moi ça. Si vos mères vous voyez, vous ne pouvez rien contre moi. C'est valable pour toi aussi, Charlie. Eh oui, même pour toi. Si tu ne signes pas, Jack, que va devenir Luna Bay? Rien, Dupont. Luna Bay restera telle qu'elle est, sauf si j'accepte de signer cet acte de vente merdique. Tu comprends? Personne n'aura quoi que ce soit. Il n'y a rien que je puisse donner ou léguer à quiconque. On m'a dit, répété pendant des années, Jack, il faut que tu fasses ton testament. Non! Jack McCann n'a pas fait et ne fera jamais de testament. Dans le pays d'où je viens, la terre n'est à personne. À toi de la creuser si tu veux trouver le filon. Vous êtes venu, vous aussi? Je vous ai cherché. C'est sans importance, maintenant. Associé.
Il y en aura pour tout le monde. Servez-vous, chers associés. Tenez, mes chers associés. Rien n'est jamais fini jusqu'à la mort. Dors bien. Votre numéro ne répond toujours pas, madame. Allô ?
Je me prends une autre photo du corps? Non, rien que la tête. 1m85. Au nom de Sa Majesté, je vous arrête, Claude Mayo Van Horn, pour le meurtre de Jack McCann. Bonjour, madame. Par ici, je vous prie. Si vous voulez bien venir par ici. Oh. Où étais-tu? Il y a presque une semaine. Je n'étais pas autorisée à le voir. Je ne sais pas pourquoi. Une histoire de légalité, paraît-il. Mais voir s'il est un bon avocat. Tu peux lui faire confiance. Worsley peut très bien être de leur côté. Pourquoi m'a-t-on arrêté? C'est eux qui l'ont décidé. Voilà pourquoi. Je fais ce que je peux pour t'aider. C'est vrai? Peut-être que personne ne peut m'aider. Je suis seul maintenant. Non, tu n'es pas seul. Je suis là, moi. T'aime. Trace. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça n'y changera rien. Claude. Je l'ai vu. C'était horrible. J'attire le malheur. Avez-vous vu Claude Mayo Van Horn la nuit du meurtre? Je l'ai vu dans le hall et il ne m'a pas parlé. Monsieur McCann avait-il interdit la porte de sa maison Eureka, monsieur Van Horn? Objection, l'accusation cherche à influencer le témoin. Votre honneur, je vous formulerai la question autrement. Savez-vous si, oui ou non, la porte de la maison Eureka était fermée à monsieur Van Horn? Oui, elle l'était. Jack ne l'aurait pas laissé entrer. Les relations entre M. McCann et son gendre étaient devenues assez tendues. Ils s'étaient disputés. De façon violente? M. McCann n'aimait pas son gendre. Il aurait voulu l'aimer par amour pour sa fille, mais... Enfin, il est difficile d'aimer un homme tel que M. Van Horn. Oui, je vois ce que vous voulez dire.
Avez-vous vu s'il tenait quelque chose dans sa main cette nuit-là? Je ne m'en souviens pas. Vous ne vous en souvenez pas? Vous avez bien fait une déposition à la police quelques heures après le meurtre. Oui. Votre honneur, le témoin pourrait-il se rafraîchir la mémoire en relisant sa déposition? Votre honneur, oui. Je m'en rappelle maintenant. Il tenait en effet un objet, mais je ne saurais vous dire lequel. C'était peut-être un club. Quel genre de relation entreteniez-vous avec M. McCann? J'étais son meilleur ami. Pourquoi aviez-vous une arme quand vous êtes venu habiter chez lui? M. McCann n'était pas en très bon état, normalement. Il m'avait demandé de venir chez lui pendant l'absence de sa femme et de sa fille. Je crois que, enfin, peut-être avait-il peur de son gendre. Vous dites que vous êtes arrivé à vous endormir pendant l'orage. Et que rien ne vous a réveillé, même pas l'assassinat extrêmement violent de votre meilleur ami, et pourtant vous n'étiez que deux chambres plus loin. J'avais pris un somnifère. Vous n'êtes pas allé dans sa chambre cette nuit-là? Non, non. Comment se fait-il qu'on ait trouvé votre arme sous le lit de M. McCann? J'ignore comment elle est arrivée là. Il me paraît évident qu'on a essayé de m'incriminer. Quelqu'un a tué Jack, d'une façon ou d'une autre. Une chose est certaine, ce n'est pas une balle qui l'a tué. Savez-vous où était votre femme la nuit du meurtre? Oui. Elle était à un dîner avec une amie et... Pierre de Valois. Soyez précis. Et Claude Maillot van Horn. Croyez-vous que ce soit très moral? Un témoin qui danse avec la femme de l'homme qui est accusé. Voyons, monsieur D'Amato. Vous êtes avocat, par conséquent, la morale et vous, ça fait deux. La preuve est-il morale que vous ayez la main droite sur ma fesse gauche? Pourquoi, à votre avis, ai-je été cité comme témoin? Vu que j'étais dans mon lit. Oui, en effet. Pourquoi vous a-t-on cité comme témoin? Voilà la question. Un groupe d'hommes d'affaires de Miami qui a été présenté à M. McCann par M. Perkins. La somme que représentait cet achat était trop importante pour être supportée par une seule personne. Et surtout en ce moment. Vous devez savoir que c'est la guerre. C'est ce qu'on m'a dit. Quelle est votre opinion sur M. Perkins? Votre honneur, c'est une question qui entièrement... Je crois que M. Perkins est un bon homme d'affaires et quelqu'un d'honorable. Et quelle est votre opinion sur Claude Maillot van Horn? J'ai la sensation qu'il était envieux de la fortune de sa femme. Il avait fait des remarques très désobligeantes concernant la fortune de M. McCann. Il disait que M. McCann avait volé son or.
Je n'ai plus de questions, votre honneur. Silence, vous en prie. Ça ne se présente pas bien, n'est-ce pas? Un peu de patience. Le vent va tourner. Vous en êtes sûr? Est-ce que vous m'avez tout dit? Tout ce que je savais. Et vous, cher maître, est-ce que vous m'avez tout dit? Pardon? Ma femme est une bonne danseuse, n'est-ce pas? Les nouvelles vont très vite. En prison. Non, j'ai arrêté de boire. Partagez-vous la version de votre mari vis-à-vis de votre gendre? Oui, tout à fait. Je pense que ce monsieur est un coureur de dot qui s'est enrichi grâce à notre fille. Il l'a épousée sans rien nous en dire. Claude Maillot Van Horn est apparemment quelqu'un de très persuasif, n'est-ce pas? Il exerce une sorte de fascination sur les femmes. Il tenait notre fille sous sa coupe. Et parfois... nous ne pouvions le supporter. N'est pas là. Mais où est passé Stéphane? Bah, Stéphano est parti rejoindre sa base, il avait terminé sa permission. Il est retourné à la guerre. Non, écoutez, Aurelio, allez-y doucement avec la fille. Hein? Les filles sont souvent plus malignes que les mères. Ne vous faites pas posséder par elles. Hein? Mais faites ce que vous devez faire. Je ne me laisserai pas influencer, même si vous montrez une hostilité inflexible à notre égard. Je ne veux pas qu'il y ait de combat entre nous. Je veux que nous vivions de façon pacifique, mais si c'est impossible, je trouverai la paix dans mon cœur avec Claude. Mère, je pense ce que je dis. Je vais venir te voir à Rhode Island, votre fille qui vous aime, Tracy. Cette lettre a tout l'air d'une lettre d'amour, madame McCann. Votre fille est subjuguée. Les amants ne sont-ils pas toujours réciproquement ensorcelés? Claude refuse de vous voir. Il n'a pas dit pourquoi. Bon. Voulez-vous lui remettre ce livre de ma part? Merci. Votre honneur, j'ai le regret de devoir vous informer qu'à la demande de notre client, mon confrère et moi-même, nous nous retirons de l'affaire. Monsieur Van Horn veut assurer lui-même sa défense. Je crois savoir que le seul témoin qu'il désire appeler à la barre est sa femme, Tracy McCann Maillot Van Horn. Il y a beaucoup de gens qui croient dans cette communauté que votre mari vous a épousé pour votre argent. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup de gens le croient, oui, en effet, mais... Mais quoi? Il faut être deux pour se marier. Je crois que seules ces deux personnes savent ce qu'est la vérité. Diriez-vous que votre mari est un homme violent? Mon mari n'est pas plus ni moins violent qu'un autre. Est-ce que votre père ne pensait pas que j'avais une sorte de pouvoir démoniaque sur vous et que je vous faisais faire des choses que vous ne vouliez pas faire? Comme par exemple écrire cette lettre. Mon père n'était pas un homme compliqué. Il avait pour moi un amour total. Il était normal que j'aie voulu lui expliquer que mon amour pour vous était plus important que n'importe quoi au monde. Même si cet amour
pouvait entraîner sa mort. Ai-je provoqué le moindre combat? Vous vous provoquiez l'un l'autre, comme toujours. Et vous-même? N'est-ce pas vous qui l'avez provoqué en réalité? Vous saviez ce qui allait se passer. Vous saviez que pour lui, ce serait ma faute. Vous saviez que nous allions nous battre. Je ne savais rien. Ce qui s'est passé était horrible. J'aimais mon père bien avant de t'aimer toi. Était-il plus violent que moi? Arrête de me parler constamment de violence. Votre père a été sauvagement assassiné, battu. Sa tête a été coupée. Et je risque ma vie dans ce procès. Si on me déclare coupable, je serai pendu. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment de ne pas oser parler de violence. S'il te plaît, Tracy, dis clairement qui tu crois que je suis. Tracy, quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Je vois un homme qui déboutonne une nouvelle robe pour la première fois. En essayant aussi de me faire boire alors qu'il reste sobre pour être lucide. Petit à petit, il réalise que je tiens pas mal l'alcool. Je vois un homme avec d'autres femmes. Il est secret, je ne satisfais pas. Il me raconte des mensonges, des petits, mais il a besoin de moi plus que de n'importe quoi. Je vois un homme qui ne peut pas passer devant une glace sans se regarder dedans. Un homme dont le visage est au-dessus du mien la nuit, comme une étoile, comme un guide. Je vois l'image de l'amour. Je ne sais comment décrire cette image. C'est ces deux personnes qui sont liées l'une à l'autre, qui se veulent l'une l'autre, qui sont prêtes à mourir pour leur amour. Je t'en prie, Tracy, pour l'amour du ciel. Pour notre amour, tu veux dire? Tu voulais la vérité. C'est ça l'amour, non? C'est la vérité. Le vrai amour. Le véritable amour est celui qui survit à tout, qui ne finit jamais. Roulez, roulez dans les eaux jusqu'à vous noyer. On le fait sur la rive, sur le sable, à l'arrière d'une voiture. Dans une chambre, sur un lit chargé d'électricité. On est foudroyé comme sur une chaise électrique. On ne peut plus s'arrêter. On frissonne et on hurle sur ce lit. On est foudroyé encore et encore et encore jusqu'à ce que vienne la mort. Je t'ai fait tellement souffrir. Tu voulais la vérité? Oui, sur toi et sur moi, sur Jack et sur Laure. Très bien, alors Claude, dis-leur comment tu as tué mon père. Allez, vas-y, dis-leur comment tu l'as tué, dis-leur. C'est de sa mort dont il est question, non? On est là pour parler d'un meurtre. Le meurtre de Jack. Est-ce que tu es sûr que c'était un meurtre? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je parle de ce qui est arrivé à Jack McCann. Un certain jour d'hiver en 1925, quand il a trouvé son or. Il le cherchait depuis 15 longues années. Jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et alors un jour, il l'a enfin trouvé. Il n'a jamais pu revivre cet instant de triomphe. Il ne pouvait pas partager cet or. Il était à lui et à lui seul. Alors il a compris que toute la joie qu'il avait ressentie en réalisant son rêve, tout seul, toute cette joie, s'était évanouie à tout jamais. Pauvre Jack, il était comme un homme qui était frappé par la foudre. Un seul moment de grand bonheur suivi de tant d'années de désespoir. Jack McCann n'a pas été assassiné il y a 3 semaines à Eureka. Il est mort en 1925. Il y a 3 semaines, ce n'est que son corps qui est mort. En réalité, il avait besoin de quelqu'un pour l'achever. Et cette nuit-là, il a trouvé comme il avait trouvé son or. Est-ce que tu veux dire que c'était une espèce de suicide? Ça ne m'aiderait pas. Oh. Ils veulent un assassin et ils veulent que ce soit moi. Ça n'a aucune importance que tu l'aies tué ou non. Ça ne fait aucune différence. C'est moi qui suis jugé aujourd'hui. Tu oublies ce détail. Lui a coupé la tête. Non. Quand je l'ai trouvé, il était mourant.
brûlé. C'était comme s'il avait été frappé par la foudre. Il était couvert de plumes. Il m'a regardé et m'a souri. L'instant d'après, il était mort. Alors je me suis vu en prison. Je n'ai pas regretté qu'il soit mort. Je me sentais soulagé. Parce qu'il ne serait plus jamais entre nous. Oh, mais il l'est. Dans ce cas, où est notre mariage? Derrière notre amour, comme il l'a toujours été. Je t'ai tout appris de ce que tu sais. Tu parles du sexe ou tu parles du mariage? Sûrement du sexe, non? Tu crois que c'est moi qui l'ai tué? Oh, Claude. Regarde la vérité en face. Tu as peut-être eu souvent envie de le tuer, mais tu ne l'as pas tué. Tu es innocent, innocent. La seule chose pour laquelle ce jury pourrait te condamner, c'est ton innocence. Tu ne savais pas qui tu étais quand on s'est mariés. Tu ne savais pas qui j'étais, moi. Dis-toi bien que tu es né sous le signe de l'innocence. Ta manière d'agir est innocente. Tes conquêtes aussi. La disparition de ton père, la mort de ta mère. Tu es coupable d'innocence. Oh. Oui. Maintenant, je comprends. Tu aurais pu être un homme de Dieu. Tu aurais pu être un artiste. Il te fallait une autre vie que celle-là. Tu es tombé dans cette vie, tu as trébuché, moi je t'ai ramassé. Tu es persuadé que c'est toi qui m'as séduite. Ce n'était que du désir. Qu'est-ce que tu essayes de me faire? Claude, si quelqu'un te fait quelque chose, c'est toi seul, tu réalises ça. Eux, ils ne te comprennent pas. Jamais ils ne te comprendront. Ils te méprisent. Parce que toi, tu m'as, eux non, ils savent que je vaux une fortune. Ils me méprisent. Parce que je suis la fille de Jack et que je suis trop riche pour eux. Eh bien, je sais qu'ils continuent à mépriser Jack. Parce qu'il a trouvé ce qu'ils sont toujours en train de chercher. Je t'ai trouvé. Mais toi, tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches. Tu n'as pas encore trouvé, Claude. Ton tour viendra, mais je ne sais pas quand. Mais ce n'est pas encore l'heure. Tu ne pouvais pas tuer Jack McCann. Tu ne tueras jamais personne. Tracy, je t'en prie, ça suffit. Non, oh non. Est-ce que vous savez ce qu'il m'a dit la nuit? On a fait l'amour. Votre honneur, je vous demande d'arrêter. Non, je n'arrêterai pas. Je n'ai pas d'autres questions. Tu m'as dit, avec toi, cette nuit, j'ai atteint les limites de ma passion. Je vous remercie, madame McCann, Mayo Van Horn. Je n'ai pas d'autres questions. Tu ne veux pas l'entendre. Votre honneur, si le procureur le désire, le témoin est à sa disposition. Claude. Madame Mayo Van Horn, d'après ce que j'ai entendu de votre témoignage, il semble que vous étiez au courant des infidélités de votre mari. C'est un sujet délicat à aborder. Mais pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous admettiez ces infidélités avec tant de sérénité? À moins que ce ne soit qu'un prétexte, c'est-à-dire une manière comme une autre de défendre coûte que coûte l'homme que vous aimez. Pas que ce soit le cas. Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu des amants, moi aussi. Je suis une femme. Si un homme peut être infidèle, une femme peut l'être aussi, une fois de temps en temps, non? Dans le rapport de police, il est dit que l'accusé avait fait ses bagages et qu'il se préparait à s'en aller quand il a été arrêté. Dites-nous ce que vous en pensez. Allez,
Alors commença une période de rêve et de délire. De ce temps béni, je suppose que malheureusement, jamais je ne retrouverai le souvenir précis. Il y a certaines choses dont je peux me souvenir, comme celles que nous avons vécues dans cet ailleurs étrange. Très bien. Merci, messieurs, merci. Je crois que c'est un verdict juste. Est-ce votre verdict à tous? Claude Mayo Van Horn. Le jury vous déclare non coupable. Mais la preuve étant faite de votre tendance à la violence, je demande aux autorités compétentes de ce pays de vous déclarer immigrant indésirable et qu'on vous expulse immédiatement de cette île. Vous êtes libre. Vous allez être obligé d'adopter une autre tactique. Dans le domaine de la police. À nous deux. À nous deux. Ça est splendide. J'ignorais tes talents de cuisinière. Il y a des tas de choses que tu ne sais pas sur moi. Je me sens merveilleusement bien ce soir. Il fait frais dehors, non? Tu as froid? Je suppose que j'ai le droit de dire que j'ai failli mourir à la guerre. Je suis heureux que nous ayons dit ce que nous avons dit au tribunal. C'est plus important pour moi que n'importe quoi. Plus important que le verdict? Hein? Non. Tu sais... cette expulsion est peut-être une bénédiction déguisée. Elle nous donne la chance de recommencer à zéro. Où irons-nous? À toi de décider. La guerre est finie, on peut aller où on veut. Pourquoi pas en France? On verrait autant n'importe le vent à Paris. Et si on vendait cette maison? Je ne veux rien vendre. Tu veux garder Eureka? Je vais m'en débarrasser. De Lille aussi. Je vais m'en débarrasser. Ce n'est pas que je n'en veuille plus. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. J'ai toute la vie devant moi. Je veux juste... ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Le bonheur est là, qui nous attend.
Alors ne le faisons pas attendre. On va enfin pouvoir se payer du bon temps. Oh, ça, j'y compte. Tu es si belle. Je suis désolé, Tracy. C'est le froid. Je vais chercher une veste pour me réchauffer. Sois pas trop lent. Non. Il n'y a que l'or, il me hante sans cesse. L'or me fascine toujours autant, mais ce n'est pas lui que je cherche réellement. C'est l'immensité de ces terres lointaines, c'est la forêt où règne le silence, ce sont ces arbres à la majesté souveraine, c'est le calme qui me rend la paix de l'enfance.